Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce vendredi 18 mars, il y a la bataille juridique qui va continuer entre le MEDEF et la CGPME après le refus du tribunal administratif d'annuler les élections de la Chambre de commerce et d'industrie. Le MEDEF, qui a récupéré 2 sièges au passage, ne veut pas en rester là. Et puis à ne pas manquer aussi l'exposition Philippe Pradalier au musée Fabre, paysages et figures jusqu'au 5 juin, visite guidée dans ce journal. Nous parlerons sport, évidemment, volleyball, hockey sur glace et foot avec la 28e journée de Ligue 1. Le MHSC reçoit le Racing Club de Lens ce samedi à 19h à la Mosson. Enfin, Françoise Vézinet est notre invitée ce soir. Bonsoir. La présidente départementale des Restos du Cœur nous expliquera en fin de journal pourquoi les restos doivent fermer leurs portes dans l'Hérault une semaine plus tôt que prévu. Voilà, je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'il fait beau ce week-end qu'il ne faut pas aller voter dimanche, car c'est le premier tour des élections cantonales. Elles concernent 26 cantons sur 49 dans notre département. À cette occasion, toute l'équipe de TV Sud Montpellier se mobilise pour une grande soirée électorale, ce dimanche donc à partir de 20h15. Résultats, analyse en direct avec les réactions des candidats bien sûr, et des patrons des grands partis politiques sur ce plateau. La pression n'est donc pas retombée après les élections à la Chambre de commerce et d'industrie au mois de décembre dernier. Le recours en annulation du MEDEF, examiné depuis mardi par le tribunal administratif, n'a pas été validé par les magistrats, qui ont tout de même décidé de retirer des votes litigieux, ce qui permet à la liste de Rudy Iovino de gagner 2 sièges à la CCI. Du coup, le MEDEF va faire appel et continuer la procédure. On écoute le patron des patrons héraultais, André Deljarry, au micro de Ghislain Fondévilla. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir obtenu 2 élus supplémentaires par rapport à la décision du tribunal administratif. Aujourd'hui, nous préparons notre procédure d'appel puisque la brèche est ouverte. Donc, ce qui veut dire que le tribunal, par l'intermédiaire des juges, ont bien reconnu qu'il y avait fraude, tout au moins aujourd'hui sur 2 élus puisqu'ils ont réintégré 2 élus de notre liste. Nous allons partir en procédure d'appel pour prouver que ce n'est pas 2, mais que c'est la totalité de la liste, parce que les juges n'ont pas retenu la totalité de notre attestation que nous avons formulée parce que nous avions peu de temps pour le faire. Maintenant, nous avons un petit peu plus de temps pour la cour d'appel. C'est à nous de démontrer que la brèche qui a été ouverte, mais derrière se cache une grande montagne. Le Hello Tour a fait étape à Montpellier aujourd'hui. Il traverse une trentaine de villes en France, une opération de communication interne pour France Télécom qui présente la diversité du groupe et de ses métiers. L'opérateur historique soigne aussi son image et veut montrer que le management a changé dans l'entreprise. Pourtant, il y a quelques semaines, le regroupement des services commerciaux sur un site flambant neuf dans la nouvelle zone Apollo déclenchait la colère de certains syndicats. Aujourd'hui, au moment où les premiers salariés entrent dans leur nouveau bureau, la presse semble retomber. En tout cas, c'est le message de la directrice exécutive de France Télécom, Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture et de la Communication. Elle était à Montpellier aujourd'hui. Elle a fait le point sur le nouveau site Apollo et sur l'ambiance à France Télécom. C'était ce matin au micro de Pierre-Paul Castelli. Il y a eu certains recours qui ont été déposés par les syndicats et qui ont d'ailleurs été déboutés. Des accords ont donc pu être trouvés, comme je vous le disais. C'est vrai qu'au départ, c'était une opération assez lourde qui concernait plus de 1000 salariés. Aujourd'hui, c'est 650 qui sont concernés. Et je crois que tout est réuni pour leur assurer d'excellentes conditions de travail, ce qui est précisément ce que l'entreprise aujourd'hui porte dans ses projets, puisqu'elle souhaite renouer constamment ce dialogue et mettre vraiment l'humain au cœur de tout son projet d'entreprise. Nous avons un baromètre social d'ailleurs qui est fait avec 4000 salariés, qui montre vraiment un changement très très important de la situation. Ainsi, il y a 84% justement de ce panel de 4000 salariés qui aujourd'hui dit que la qualité au travail à France Télécom est aussi bonne, si ce n'est meilleure, que dans les autres entreprises. C'est le premier film français doublé en 6 langues régionales. À Montpellier, il est évidemment diffusé en occitan. C'est au Gaumont Multiplex, ça s'appelle Au Bistrot du Coin. Et le personnage principal, Fred Testo, d'Omar et Fred, est doublé par notre Joanda nationale. Un double exercice, pas vraiment évident à réaliser. Écoutez ce qu'en pense celui qui double effectivement Fred, Joanda. C'est une expérience assez particulière parce qu'il faut doubler un comédien, c'est-à-dire qu'il faut être au service du comédien et suivre bien entendu le jeu du comédien. Donc c'est une expérience particulière qu'on ne fait pas tous les jours et ma foi qui est assez sympathique à réaliser. Il me semble que ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est de doubler pour la première fois au cinéma en France un film en 6 langues de France.
en ch'ti, en breton, en corse, en alsacien et en occitan. Et je crois que ça montre bien la vitalité des langues et des cultures en France. Basto pas de ces gens de métier, mais bon, ils ne mettent pas dans la famille d'art. Et bien, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, quel délire? Il n'y a pas jamais un sage de tétua. Il y a des causes moins intéressantes de faire dans la vie. Je ne dis pas ce qui s'est passé à l'époque de tout le cheval malade, mais... Il n'y a pas de problème de comprendre ça parce que les justes titres sont en français. Voilà, vous avez sûrement compris, j'imagine. Cinéma toujours avec Daniel Auteuil qui était de passage à Montpellier pour présenter son nouveau film, La fille du puisatier, dans lequel il est à la fois réalisateur et l'un des principaux acteurs. Un film qui sort en salle le 20 avril prochain. Arzou Kara et Bastien Amalou l'ont rencontré. Hier, un vent de star soufflait sur le domaine de Verchamps. La star, c'est Daniel Auteuil. L'acteur-réalisateur tout sourire présentait son nouveau film, La fille du puisatier, une reprise de Marcel Pagnol. Je trouvais dommage que de si beaux rôles restent enfermés dans des cassettes vidéo en noir et blanc et que ces grands rôles sont faits pour être joués par les acteurs de chaque génération. Alors j'avais envie, avec les acteurs d'aujourd'hui, qu'on joue cette histoire et qu'on la donne à entendre comme si c'était la première fois. L'histoire émouvante d'un puisatier et sa fille dans une famille populaire de Provence dont les vies vont être chamboulées. Chez Pagnol, il y a la possibilité d'interpréter de grands personnages qui sont à la fois qui donnent à la fois du plaisir aux spectateurs parce que ils sont jubilatoires et en même temps à l'acteur la possibilité d'exprimer des sentiments et des émotions qu'on ne peut pas exprimer dans certains films qui se tourne actuellement. Daniel Auteuil a déjà joué du Pagnol, mais c'est son premier film en tant que réalisateur. Il nous fait part de sa satisfaction. Je suis content d'abord de l'avoir fini, ensuite de l'avoir fait. Et je suis heureux de voir les réactions qu'il provoque chez les spectateurs et ce que les gens me tendent comme miroir d'amitié. Un film qui plaira à un large public grâce à sa beauté. Date de sortie le 20 avril dans les salles. Il a été formé à l'école des Beaux-Arts de Montpellier à la fin des années 50. Philippe Pradalier expose au musée Fabre. Il avait déjà présenté ses œuvres en 1977. Aujourd'hui, il met en avant ses paysages et figures jusqu'au 5 juin. Visite guidée signée Laurence Calafatides. Le carré, inscrit dans le rectangle. Le Languedoc d'aujourd'hui, des lumières écrasantes et des jeux d'ombre, mais aussi des paysages industriels, ces choses devant lesquelles on passe et que l'on ne voit pas. Quant à la pointe courte de Sète, ce foutoir magnifique, c'est un clin d'œil à Agnès Varda. C'est un des grands interprètes du paysage languedocien autour de Montpellier, dans la grande continuité bien sûr de Frédéric Basile ou de Gustave Courbet, qui sont eux très représentés au musée Fabre. 34 ans après sa première exposition au musée Fabre, Philippe Pradalier revient avec une œuvre chaude et colorée qui invite à la promenade. Une balade qui se poursuivra avec les prochaines œuvres de l'artiste. Le futur, c'est quatre grands tableaux de la dimension de celui qui est derrière vous. Quatre tableaux des saisons, un hommage à Nicolas Poussin. Des toiles qui seront exposées l'année prochaine. En attendant, vous avez jusqu'au 5 juin pour découvrir ou redécouvrir les tableaux de Philippe Pradalier. Et on ouvre une page sport, comme chaque vendredi, avec du volleyball. Après sa défaite contre Cannes dimanche dernier, les Montpelliérains, 5e de Liga, vont tenter de se rattraper ce samedi. Ils reçoivent Paris, 9e du classement. C'est à 20h au Palais des Sports, Jacques Chaban-Delmas de Castelnau-le-Lez. On écoute le capitaine du Montpellier Volley au micro de Ghislain Fondévilla. C'est un match hyper important. Tous les matchs, maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, vont être hyper importants. Surtout contre un adversaire direct quand même, puisque le championnat est tellement resserré qu'il y a encore 9-10 équipes qui peuvent prétendre être en play-off facile et à n'importe quelle place. Donc c'est vrai que nous, on aimerait bien finir quatrième et ça passe obligatoirement par une victoire et même peut-être même les 3 points contre Paris ce soir. Hockey sur glace, Montpellier reçoit les Scorpions de Mulhouse. C'est ce samedi à 19h à Vegapolis. Les Vipers vont devoir composer avec une pluie de blessés, 5 au total. Les Vipers qui sont 6e au classement de Division 1.
Et puis du rugby, une nouvelle recrue pour le MHR. Sur la seconde ligne, Thibaut Privat vient de signer pour 3 saisons avec le Montpellier Hérault Rugby. C'est un gardois originaire d'Uzès, formé à Nîmes et qui est passé par Béziers, un joueur régional donc, qui évolue pour le moment à Clermont. C'est la 6e recrue pour le MHR. Et puis il y a du foot, demain à 19h aussi, Montpellier reçoit Lens au stade de la Mosson, 28e journée de Ligue 1. René Girard pourra compter sur Spahic, Kabzé et Estrada, mais aussi sur John Utaka, l'ancien Lensois. Les enjeux du match avec Sophie Carloni et Romain Castillon. À quelques jours du printemps, le MHSC serait-il en train de s'épanouir? Après une petite perte de vitesse et 3 derniers matchs, les Montpelliérains reprennent du poil de la bête. Après un nul honorable et mérité au Parc des Princes, grâce à un doublé d'Olivier Giroud, l'attaquant du MHSC retrouve son rôle de buteur, la machine héroltaise semble relancée et René Girard, qui vient de prolonger son contrat, semble confiant pour l'avenir. Allez, je dirais que c'est une bonne piqûre de rappel au niveau de ce match de Paris, dans le sérieux, dans la rigueur et tout simplement dans ce qu'on est capable de faire. Je crois que c'est le genre de match qui bien sûr, c'est qu'un point, mais c'est un point qui est important et psychologiquement c'est intéressant, c'est bien. Je crois que les garçons ont encore prouvé des choses et se sont prouvé des choses. Je crois que c'est ça le plus important. Samedi, l'équipe du Montpellier Hérault reçoit les Lensois, avant-dernier au classement. Les Saints et Or n'ont plus rien à perdre pour essayer de sortir de la relégation. Si les Montpelliérains veulent conserver leur place de 6e, ils devront battre les Lensois, victorieux au match aller. Voilà, on verra bien. Et comme je vous le disais donc, au début de ce journal, Françoise Vézinet est avec nous. Bonsoir, rebonsoir. Présidente des Restos du Cœur de l'Hérault. Alors ce sont nos confrères de Midi Libre ce matin qu'ils dévoilent l'antenne héraultaise des Restos du Cœur. Ferme plus tôt que prévu, une semaine, vous êtes en rupture de stock. Oui, effectivement. La campagne dure traditionnellement 16 semaines, mais depuis 2 ou 3 années, on avait suffisamment de denrées pour faire 17 semaines. Et là, cette année, dans l'Hérault, nous allons effectivement cesser après 16 semaines de distribution. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà connue ou est-ce que c'est vraiment inédit ? Personnellement, non. Depuis que je suis dans cette association, il y a déjà un certain nombre d'années, je n'avais pas connu un épuisement des stocks comme ceci à la fin de la campagne. Quel volume ça représente justement ces stocks de nourriture sur une campagne hivernale, sur un département comme l'Hérault ? Nous aurons distribué au cours de ces 16 semaines environ 1 900 000 repas. À quelques 25 000, 26 000 personnes, on n'a pas des chiffres totalement définitifs à l'heure actuelle. Donc ça représente quand même des quantités très très importantes de nourriture. Alors, il y a des prévisions, j'imagine, qui sont faites. Comment vous expliquez justement ce problème de stocks qui sont liquidés avant la fin de la campagne? Est-ce qu'il y a eu plus de bénéficiaires que prévu? Ben, effectivement, nous avions été un peu trop optimistes. Mmh. Et lorsque nous avons fait nos prévisions pour la campagne, nous n'avions pas imaginé que cette année, nous aurions une augmentation de 10% de demandes par rapport à l'an dernier, alors que nous avions déjà eu les 2 années précédentes des augmentations importantes et nous pensions que ceci allait un peu se stagner. Ça n'a pas été le cas et donc nous n'avons pas pu faire face à la demande qui s'est exprimée vraiment jusqu'au dernier moment de la campagne. C'est une des caractéristiques, les gens sont venus demander de l'aide jusqu'à il y a quelques jours. Est-ce que vous avez des explications justement sur ce phénomène? Vous le disiez, un phénomène d'augmentation régulière du nombre de bénéficiaires chaque année, mais là, en plus sur les derniers mois, ça s'est vraiment accéléré. Vous avez une explication? C'est très difficile de faire une explication. Je crois que cette démarche d'aller demander de la nourriture est toujours difficile à faire et les gens ne se résolvent à la faire que vraiment au dernier moment. Mais je crois qu'on annonce encore des augmentations de tarifs. On voit les carburants qui s'envolent. On voit peut-être bien que les gens ont été pris d'une certaine inquiétude et ont fait cette démarche de venir nous solliciter même s'ils savaient qu'on n'allait pas pouvoir leur apporter une aide bien longtemps. Alors il y a eu le grand rendez-vous avec les enfoirés à l'Arena. On peut imaginer effectivement que ça a eu un effet bénéfique au niveau local. Visiblement, ça n'est pas le cas. Il y a vraiment un paradoxe là-dedans quand même, parce qu'il y a ces enfoirés qui mettent les Restos du Cœur vraiment sur le feu des projecteurs. Et puis
Au niveau local, on a une situation qui est très très compliquée. Oui, c'est vrai, c'est très compliqué. Bon, c'était un moment festif, mais la fête n'était pas pour tout le monde au mois de janvier. Et peut-être que justement, ça a permis à certains, parce qu'on parlait beaucoup des Restos du Cœur, parce qu'on les a un peu familiarisés, peut-être que ça a permis à certains de venir faire la démarche et de venir nous solliciter parce qu'ils en avaient besoin. Alors, est-ce que vous avez des solutions pour les prochaines campagnes? Parce que bon, les Restos du Cœur, c'est pas uniquement l'hiver. Vous allez redémarrer au mois de mai. Est-ce que vous allez prévoir plus de stocks, plus de denrées pour les prochaines campagnes? Alors d'abord, nous avons fait une collecte dans les supermarchés le week-end des 5 et 6 mars et les Héroletais ont été généreux. Donc là, nous avons accumulé pas mal de denrées que nous allons utiliser justement à partir du mois de mai pour réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon l'intercampagne. Cette intercampagne n'étant destinée que vraiment aux gens les plus précaires puisque nous avons des critères d'attribution qui sont encore plus serrés que pendant l'hiver. Donc ce n'est pas tout le monde que nous allons pouvoir continuer à aider en mai-juin, mais nous continuerons à aider ceux qui sont vraiment le plus en difficulté. Là aussi, cette campagne, effectivement, en dehors de la campagne hivernale, c'est quelque chose qui se met en place et qui, avec des bénéficiaires toujours plus importants. Il y a une vraie augmentation aussi sur les bénéficiaires de l'été, je dirais. Oui, la misère ne disparaît pas avec les beaux jours. Bon, il y a parfois dans certains lieux des possibilités de travail saisonnier, mais pour autant, tout le monde n'arrive pas à en bénéficier. Et effectivement, la précarité reste tout à fait présente, même l'été. Donc les Restos du Cœur restent mobilisés, vous allez vous préparer encore pour ces campagnes qui arrivent. Absolument, donc il y aura 13 centres sur les 33 de l'Hérault qui resteront ouverts en mai, juin, septembre et octobre. Merci beaucoup Madame Vézinhé d'être venue sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve dimanche dès 20h15 pour la soirée électorale du premier tour des élections cantonales. Tous les résultats, des invités tout au long de la soirée. À dimanche donc, très bon week-end à tous.